Dad, j'arrive. Ah ben, je savais pas que t'étais revenu de voyage. Je suis rentré cette nuit en taxi. Ah. J'aurais besoin de ton auto, peux-tu me la prêter? T'as pas de quoi faire. Je vais laisser la mienne au bureau avant de partir pour Los Angeles. Pas de problème, mais Raymond l'a pris hier. Il devrait pas tarder d'arriver. Ah bon? Ah, nos employés se promènent avec ton char maintenant? D'abord, Raymond n'est plus mon employé, encore moins le tien. Il a rendu service parce que sa vanne est au garage. Il doit se prendre pour le big boss de la place, là, hein? Et la grosse taux, là. Il doit faire le frais. Mais il n'y a pas de maudite scène dans ses poches, par exemple. Je vois que t'es dans les mêmes dispositions quand t'es parti. Ah, pourquoi ça changeait? Ben, je pensais que ton voyage te ferait réfléchir. À quoi, Dad? À quoi? C'est toi qui veux pas voir la vérité. L'envie. La maudite envie. Jusqu'où ça va te mener? Jusqu'au bout, Dad. Toi qui mets à table maintenant? Madame Ferragasse matinée. Non, arrête ça tout de suite. J'ai pas le cœur d'entendre ça aujourd'hui. Ah bon? Vous aviez l'air tellement unis quand je suis parti il y a une semaine. La lune de miel est déjà terminée. Hey, je te parle pas! Vraiment, on va aller te porter les clés. Écoute, je peux prendre un taxi, c'est trop compliqué, là. Hein? Je veux pas te donner une autre raison de te sentir persécuté. Ben merci, Dan. Bien dormi? J'en ai bébé. Croissant, brioche, serre-toi. Parfait. Sais-tu que c'est gentil de m'héberger comme ça? Ben voyons donc, tu sais bien que t'es toujours le bienvenu ici. Bon, je sais ce qui se passe. Oh, ça doit être Nathalie avec son séchoir, là. J'ai beau idée. Bon, est-ce que tu remontes à Montréal aujourd'hui? Bon, ça dépend. Je passerai pas de Belmont tant que j'aurai pas réglé l'histoire avec la belle-fille de Léon. Ah, pauvre Gisèle, comme je la connais, elle doit être dans tous ces états. Léon m'a dit qu'elle n'a pas mis les pieds dehors depuis l'inauguration. Ça me surprend pas. Et donc, t'as trouvé comment, toi, Annie Aiguin? Ben, je la connais pas beaucoup, hein. Ça a l'air d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Je l'ai rencontrée pour la première fois. Et je te dis qu'elle n'est pas facile. Je comprends que Léon ait des problèmes avec elle. Tu me trompes ou t'as pas eu le dessus sur elle? Disons qu'elle m'a donné un peu de fil à retordre. Merde, encore? Non, ça, c'est pas normal. Bon, c'est Nathalie qui s'assine à brancher son séchoir là, dans la même prise que le purificateur d'air. Ça me coûte un fusible à chaque fois. Ça doit pas être drôle chez Tanguay en ce moment, hein? Tu parles. Je comprends qu'elle ait ses convictions. Il me semble qu'elle pourrait y aller mollo un petit peu. Après tout, Léon, c'est son beau-père. Ouais, elle est présidente du mouvement pour l'environnement, en plus. Qu'en penses de ça? Hein? La construction de condos? Ben, ça amènera votre client à l'auberge, hein? Au contraire. Ça va faire de l'activité. Ça peut pas nuire aux commerçants de la place. Oui, mais en fait, moi, j'ai peur que Belmont perde son cachet. Ce serait de valeur, ces gros domaines-là. Bien intégré, là. Tu vas voir. Il n'y a plus rien qui marche, bordel. Comment ça? Je sais pas. Puis j'ai pas le temps de niaiser. Il faut que j'aille chercher Isadora.
Christian m'a donné rendez-vous à 9h30. C'est peut-être la fusine qui est pas bon. Mais non! Je l'ai dit 100 fois, là, de te brancher ailleurs. Tu vas faire sauter le circuit. Je comprends pas. J'ai mis un fusible plus fort, il a pas brûlé, mais ça marche pas plus. Voyons donc, Nathalie, on fait jamais ça. Comment ça? Ben, si le fusible saute pas, c'est les fils qui brûlent ou qui fondent dans le mur. Voyons donc, t'as pas l'air de te rendre compte. Mais ben quoi, j'ai pas fait exprès quand même. C'est jamais de ta faute, toi. T'as vu que je fais, là? Ben, ah ben, faut faire venir quelqu'un. Ça veut dire que je pourrais pas finir de me faire fesser les cheveux, ça. Mais on s'en fout de tes cheveux. À quoi, cette fois-là? Je surveille mes intérêts de près. Oh, c'est pas beau, ça. Ah, oh, Hélène, tu vois pas que tu me déranges, là? Hé, hey, t'es vraiment pas romantique, toi, le matin. Cher Benjamin, ne m'en veuillez pas, mais je dois partir. C'est la seule solution. Tout de suite, sans que vous puissiez me retenir. Je ne vous fuis ni ne vous abandonne. Je vais tenter de mettre un peu d'ordre dans mes sentiments. Comprenez bien que ce temps et cette distance me sont nécessaires pour voir clair en moi. Qu'est-ce que tu lis? Ça a bien l'air mystérieux. Ça te regarde pas. Ben là, les nerfs, parle-moi pas comme ça. C'est ta faute aussi, t'es trop curieuse. T'es bien placée pour parler, toi. Une bonne amie accepte de m'héberger. Je vous laisse ses coordonnées en cas d'extrême urgence. Je sais que vous saurez respecter ce silence. Adrienne. Avoir su, je ne serais pas venue coucher ici. Pas forcé, il me semble. Post-scriptum. Souvenez-vous de votre promesse au sujet de la vérité sur Allen. La vérité sur Allen? Sur Allen, que c'est ça? J'aurais dû suivre ma première idée aussi, puis rentrer chez nous en débarquant de l'avion. Tu regrettes notre dernière nuit, là. Les aventures de voyage, on devrait toujours mettre un point final à ça avant de revenir. Pourquoi? Quand on peut continuer. Mm. C'est un voyage d'affaires qui va me laisser des mots, du bon souvenir. Pas toi? C'est vrai qu'on s'est bien amusé, hein? Il en tient qu'à toi pour qu'on recommence. Tu sais très bien comme moi qu'ici, ça va être beaucoup plus compliqué, hein? Compliqué, mais... impossible. Il faut savoir naviguer, c'est tout. Ouais, ta vie a l'air pas mal remplie, avec Estelle puis les autres. Il y a toujours une place pour une femme comme toi. Moi puis une demi-douzaine d'autres, j'imagine. Et les femmes exagèrent toujours leur concurrence. J'ai un service à te demander avant de partir. Quoi? Regarde, je compose ce numéro-là, hein? Demande à parler à Adrienne Chevalier. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Ah, rien, tu raccrocheras. Oui, Madame Adrienne Chevalier, s'il vous plaît. C'est important. Elle est accouchée. OK, raccroche. Ah, je sais ce que je voulais savoir. Elle est partie. Elle est vraiment partie. Bon débarras. Si tu m'expliquais. Non, tu comprendrais pas. Merci pour le service. Bon. On y va? Ah non, c'est vrai, faut j'attendre après mon débile de cousin. Puis? Ouais, un moyen rabousinage de fil. Quoi? Ben, je peux t'arranger ça pour que ça marche, mais si j'étais toi, j'en profiterais pour remplacer toute la boîte. Bon, sinon? Ah, sinon, ça peut se répéter, c'est sûr. Surtout que c'est une auberge maintenant. Ah ben, t'as-tu un gars qui peut me faire ça aujourd'hui? Moi, je pense que j'aurais quelqu'un qui pourrait... Sauf que... Sauf que quoi? Ben, ça peut coûter cher. Et puis, ta dernière facture, là, celle des rénovations. Ben oui, ben on a fait des arrangements. Ah oui, mais ça fait plus d'un mois qu'on n'a rien su. D'habitude, je crie pas mal plus fort que ça quand les gens me payent pas. Ben oui, Léon, écoute, tu perdras pas d'argent avec moi, là. Moi, je sais, mais pas mon contrat. Hein? Alors, on a des problèmes de mauvaise créance, là, depuis quelque temps. Il veut plus rien laisser passer. Il voulait t'appeler, mais j'ai dit que j'allais te parler. Ah, tu veux que je règle la facture avant de faire quoi que ce soit, là, si je comprends bien. Ben,
vaudrait mieux. Ah, merde, qu'est-ce que je vais faire? Non, prends pas ça comme ça, là, je voulais pas... Excuse-toi, Paul Léon, là, c'est normal que tu veuilles être payé. Non, écoute, on va trouver une solution, hein? Je te laisserai pas dans le trouble. Est-ce que tu peux me faire crédit encore 15 jours? Ah oui. Oui? Parce que, fais-moi confiance, là, je vais te donner l'argent d'ici là. Ben, tu penses pouvoir me donner combien? Ah, mon comptable va me le demander. Mais tout l'argent que je te dois, là, je vais me débrouiller. C'est about time. Quoi? J'ai besoin de l'auto. Bon, donne-moi les clés, là. Ouais, c'est vite, là, j'ai du stock dans la valise. Le verger, le char. Tu t'installes, mon Raymond. Tu voudrais peut-être les clés de mon studio, tant qu'à y être. Ah, là, le bout de mon vieux, commence pas. M'informe, j'ai bien le droit. Mais la vie est drôlement faite, tu trouves pas? Ton père va bien prendre une brosse de 6 mois pour noyer ça. Lui qui a toujours dit que jamais Guillemette accepterait la charité d'un Thompson, puis là que son propre Alan, fils. Ça, c'était pas de la charité. Non, mais façon de parler. Moi, puis ton père, on a fait des arrangements. T'as sûrement fait un bien bon deal. En vieillissant, mon père, on dirait qu'il perd la valeur de l'argent. Ben, si ça t'intéresse tant que ça, là, tu diras à lui, OK? Mais franchement, mon petit cousin, je suis impressionné. Pas de farce, hein? T'as mis la main sur le verger, puis je t'ai même pas vu venir. Arrête donc de parler comme si je t'enlevais quelque chose. Tu veux pas t'en occuper du verger, bout de mon lieu, faut bien que quelqu'un le fasse. Tu as accepté de te sacrifier, si je comprends bien. C'est pas moyen de parler avec toi. Non, je commence à croire que je te sous-estimais. Jamais j'aurais pensé que tu réussirais un coup pareil. C'était pas mon idée, la location, c'était ton père. T'es pas tenu de te cacher derrière lui. Tiens, là. Prends l'air de me payer avec toi, maintenant. Profite bien de tout ce que t'as ici. Ça durera pas longtemps. Arrive, Hélène! Ça fait qu'il va falloir faire plus de remblayage que prévu. Ah oui? Ben, ce maudit terrain-là, c'est un vrai marécage. Il va falloir drainer tout ça, mettre du gravier. Est-ce que tu vas le prendre? Non, c'est pas un problème. En détournant la petite rivière, là, on va faire un pit de sable sur la butte à côté. Bon. Je te fais confiance. De toute façon, c'est l'argent qui m'intéresse. Ben justement, c'est pour ça que je t'en parle. Ça peut coûter plus cher que prévu. Organise-toi de façon le plus économique possible. Fini les folles dépenses. Ah, compte-moi, j'ai pas envie de gâcher mon argent par les fenêtres, moi non plus. Faut manger avec la patente. Le communiqué, qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'appelle pas ça une lettre d'excuse. Ça dit rien là-dedans? Rien, non. Regarde ici en bas, là. Le mouvement se dissocie. Il regrette les gestes violents qui ont été posés. Ça veut rien dire, ça. Pourquoi tu t'attends, Léon, à ce que ta bru aille s'excuser sur le perron de l'église? Un petit communiqué niaiseux que personne va lire. Non, je veux qu'on les traîne en cour. On gagnera pas contre le mouvement. Le gars qui a lancé la terre, lui, on peut le poursuivre. J'ai rien à faire avec ce petit pouilleux-là, moi. Bon, Dieu, comprends-donc. C'est la gang de morveux de la place que je veux faire taire. Écoute-moi, Léon, je te conseille d'accepter l'entente telle qu'elle, on n'obtiendra rien d'autre. T'es connu, on va les avoir sur le dos tout le temps. Non, faut leur faire peur. Si on continue sur ce voie-là, ça va être pire. Ils nous lâcheront pas. Faisons semblant de plus nous en occuper. Le pire des règlements ou le meilleur des procès. OK, d'abord. On va tenir sa mort. Oui. Je vais téléphoner à Mme Heger et lui dire que tout est correct. Je te la laisse. Mais bon Dieu, non, pas trop bon paradis. Adrienne. Adrienne, vous en prie, vous pouvez pas rester enfermée comme ça tout l'avant-midi. Adrienne, êtes-vous là? Oh my God.
que j'ai fait. Maman, puisque je m'excuse, je pouvais pas savoir. C'est une vieille maison aussi. Là, j'ai rien à voir là-dedans. Je sais plus quoi dire. Ben, dis rien, maintenant que le mal est fait. Oh, j'aime mieux pas penser à ce que ça va me coûter. Je vais le payer d'abord. Tais-toi donc au lieu de dire des niaiseries. Vas-tu me faire la gueule encore longtemps? As-tu vu le poivre? Ici. Ce sera pas long, tu m'auras plus dans tes jambes. J'ai deux rendez-vous pour des jobs cet après-midi. Justement, pourrais-tu me garder Isadora? Hey, t'as pas fait une fois ou deux semaines, me semble que tu pourrais t'organiser pour prendre des rendez-vous quand t'es pas là. Excuse-moi, je pensais que ça te ferait plaisir de passer un moment avec ta fille. C'est pas ce que j'ai voulu dire, puis tu le sais très bien. Maman va t'amener avec elle, ma chouette. Mmh. Hey, Nathalie, aller passer des entrevues avec un enfant dans les bras, sois pas ridicule. Viens avec mamie, on va aller faire une promenade avec ton ours. Okay? Je voudrais surtout pas que tu te forces. Viens, viens. On va avoir du plaisir. Tu veux rester avec ta maman? Excuse-moi. Que je la change. Hmm? C'est qui la belle grande fille? Hein? Oh, oui. C'est à moi. Oh, oui. Je t'aime. Oui. Bonjour, Estelle. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Comme tu n'étais pas au bureau, je suis venu voir comment t'allais. Comme tu vois. Excuse-moi, mais j'ai du travail. Qu'est-ce qui va pas? J'ai droit à des congés de maladie comme tout le monde. C'est une boule. Je voulais pas être là quand tu reviendrais de voyage. Pourquoi est-ce que tu viens me relancer jusqu'ici? J'étais inquiet, imagine-toi donc. Oh! Depuis quand tu te soucies de ma santé? Estelle, qu'est-ce que t'as? Hey, j'haïs ça quand tu me prends pour une valise. Je suis pas complètement folle, tu sais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé encore? Hey, niaise-moi pas. Qu'est-ce qu'Hélène Bernier faisait à Los Angeles avec toi? Elle travaillait, comme moi. Hugo Dupuis a pas pu venir. À la dernière minute, c'est elle qui a pris sa place. Essaye pas. C'est toi qui as tout manigancé depuis le début. Tu peux penser ce que tu veux. Moi, Hélène Bernier, là. Elle serait heureuse de t'entendre. Écoute, Hélène Bernier est bien cute, n'y a rien, là. Dis-moi pas que t'es jalouse d'elle. Oh. Je savais que ça allait se revirer contre moi. Tu veux savoir si j'ai couché avec elle, c'est ça? Demande-le-moi franchement, puis je vais te répondre. Oui, j'ai couché avec elle plusieurs fois. Veux-tu savoir comment c'était? T'es dégueulasse. Je te demande pas qu'est-ce que tu fais avec ton tigui, moi. Hey, ça a rien à voir, tu le sais parfaitement. Ah, chacun sa morale. Moi, là, j'ai pas d'attache, puis j'en veux pas. Mais je mens à personne. Tout le monde peut pas en dire autant. Tiens, c'est pour toi. C'est le seul cadeau que j'ai apporté. Je tiens à toi, tu sais. Plus que tu penses. Attends. Pars pas comme ça. Ouvre-le d'abord. Non. Pour être franche, je trouve ça presque insultant. Tu penses quand même pas que je veux t'acheter? Je suis plus une enfant. Pas avec un cadeau que tu... Tiens, la vedette de Californie qui est revenue. Ah, salut, vieux. Ça t'a donc bien pris du temps? Je meurs de faim, moi. Bon, ça fait pas une heure que je suis parti. Puis, tu es en bonne compagnie. À tantôt. Elle aurait des cannellonis dans le four, OK? OK. Estelle, tu es la reine des cannellonis. C'est pas des farces, ça, meilleur que ceux de ma mère. Elle a plein de talent, ta femme. Ah, pour ça. Puis, Los Angeles? J'espère que t'as pas oublié de saluer Jane Fonda de ma part. Ah. Voyage d'affaires. Ah, on dit ça, on dit ça. Et hey, ça marche toujours à la game de Balmol demain? Alors, oui. Je t'invite à prendre une bière avant de souper au pub. Pourquoi pas? Bonjour, Guy. Non, non, non. Entre, entre. Vous connaissez? Hé, hey, la petite voisine. Bonjour, Alan. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans le coin. Ça devrait changer. J'aimerais ça m'installer ici. Si je réussis à me trouver un emploi, évidemment. Ah, viens voir pour un job. Ah. Excusez-moi. Écoute, Belmont, oui? Hey. Ah, allô, salut. Oui. Ça marche pas avec Guy, là, tu m'enverras ton CV. Tu
Tu penses qu'il y aurait quelque chose pour moi? Pas dans mon service, certain, mais ailleurs, on peut voir. Je vais en parler au directeur personnel. Wow, c'est génial. Le show business. On est loin des vedettes, hein? On fabrique des disques lavaires, ça reste une usine. T'es directeur du marketing, toi? Ouais. T'es sûr qu'il n'y aurait pas une petite place pour moi? C'est malheureusement. T'es peut-être aussi bien dans le fond. Je me demande si je réussirais à me concentrer avec toi comme patron. Bon! Passe le chercher autour de 5h30. Parfait. Salut. Bye, la petite voisine. Bye. Ouais, j'ai regardé ton CV. Avant de commencer, j'aimerais savoir... Excuse-moi, qu'est-ce que tu disais? Ben, je me demandais si tu étais bonne en français. Où est-ce qu'ils en sont rendus? Ils passent des nouveaux fils dans le plancher. Combien tu penses que ça va coûter? C'est difficile à dire. Cher, je crois. Oh! Oh, j'ai plus faim. En veux-tu? C'est pas de refus. Okay. Tu sais, la proposition que tu me faisais hier, là, est-ce que ça tient toujours? Ben oui, ça tient sérieux. Parce que si t'as pas changé d'idée, j'accepterai. Oh, attends, j'ai absolument pas profité de la situation. Tu sais, finalement, les travaux, ça coûtera peut-être pas cher que ça. Non, mais ça a arrangé, là, il va y avoir d'autres choses, là, puis... J'ai jamais d'argent, là. Je suis tannée de ça. Réfléchis donc encore. Tu veux plus? Non, au contraire. Je veux. Bon, d'accord. Marché conclu. On devient associé aux conditions que tu me faisais hier. T'es certaine? Je reste majoritaire, par exemple. C'est toi qui es le grand boss. Je suis très heureux. Tu peux t'embrasser? Bien sûr. On va aller loin ensemble. Oh, paix. Premier sourire de la journée. C'est bien parti. Oh, ouais. Ouais. Je pourrais pas aller chercher mon engrais aujourd'hui. Je sors encore au garage. Moi, je suis encore à pied. Samedi, dimanche, lundi. Le mardi, peut-être. Tu prendras mon auto, je te l'ai dit. Ouais, mieux pour courir après le trouble, moi. Comment ça? J'aime pas bien ça manger des bêtises. Alain, encore? Il était pas content pendant tout le matin que j'ai pris votre char. Ça le regarde pas. Hein? Tu me l'enverras. Ris ça, chicane. Surtout avec lui, ris de moi tout le temps. Ça faisait pas attention. Tiens, on va falloir que tu t'endurcisses. T'es chez toi, ici, maintenant. T'as pas de compte à lui rendre. Une bonne fois, je me connais. Même choqué, puis il va passer au cash. Oh. Les points, ça règle jamais rien. Non, je sais bien. Mon oncle, on va peut-être... faire ça trop vite, notre affaire. Je reviens jamais sur une décision. Il a l'air de dire que vous me faites la charité. Laisse dire, il connaît rien de ton enfant. Je le regrette presque. C'est tout ce qu'il cherche. Entre pas dans son jeu. Ouais, tout bien. Vous le connaissez bien, votre gars. Plus rien me surprend venant de lui. Bon, j'y vais, j'ai des téléphones à faire. Ah! Oh. Vous direz à Mme Chevalier que je vais réparer son fer repasser à soir. Ça presse pas, il est pas là. Il est parti pour quelques jours, je pense. Comment ça? Pas dans son habitude, ça, de prendre des congés? Elle m'a parlé de rien quand je l'ai vu hier. Ah. Moi non plus. Puis vous savez pas ce qu'elle est? Son chalet, peut-être. Bizarre, ça. Je te l'avais bien dit qu'elle finirait par accepter. Oui, après ce qui s'est passé ce matin. Pousse. Ma gaffe a finalement un bon côté.
Quoi, t'as pas l'air content? Ben, je sais pas si elle a fait de bon cœur. En tout cas, t'as les deux pieds dans la place maintenant. Belle manière de parler. T'entends, on dirait que je manigance pour m'installer. Non, mais c'est pas complètement désintéressé. À vous. J'haïs ça quand tu parles comme ça. Crippe. Je le fais pour rendre service, un point, c'est tout. On va y redémarrer en grande, s'il te plaît. T'es déjà des idées. Bien contente d'entendre ça. Et comme ta mère va être de plus en plus occupée, tu vas pas toujours compter sur elle pour... Hey, on va venir avec tes gros sabots, là. Elle est allée se plaindre? Non, mais figure-toi donc que j'ai des oreilles pour entendre. Parce que j'ai demandé de garder Isadora. C'est bien qu'elle te refusera jamais. Elle l'adore, cet enfant-là, puis tu le sais. Mais tu peux pas y confier à tout bout de champ. Tu veux avoir ta fille, c'est pas une façon de démontrer ton sérieux. Tu vois tant d'affaires, là. Tu devrais aussi savoir que je suis allée passer des entrevues cet après-midi. Ah oui, puis? Ça regarde pas trop mal. Ah ben, Belmont, c'est petit. Ça va être plus difficile que tu penses. T'es donc encourageant. J'essaie simplement de te faire comprendre que ça sera pas tout seul. Oh. Puis pour en revenir à ta mère, je pense que tu pourrais faire un effort. Ben oui, ben oui. C'est bon. Ah, c'est bon. Tu disais qu'elle avait besoin de réconfort. Ben, fais ta part, toi aussi. Oui. Il semble que... Il faudrait être un petit peu plus gentil avec elle. Hey, on se croirait il y a 10 ans. Oui. Je me pogne avec elle, puis toi, tu te rappliques en arrière pour me faire la morale. J'ai passé l'âge de ça, bordel! Promets-moi que tu vas faire un effort. Ouais. Comment m'étonner de mon humeur sombre. Il pleut sans arrêt depuis plus d'une semaine. Comme ces dimanches de mon enfance où nous errions dans la maison comme des âmes en peine. Du même âge, bonne femme, ça. Audrey m'inquiète beaucoup. Elle a renoncé à se battre, je le sais, je le sens. J'ai été à son chevet toute la nuit. Elle a beaucoup parlé. Elle se moque quand je lui dis de ménager ses forces. Elle ne dort presque plus, comme si elle voulait profiter de chaque minute qui lui reste. Oh, Audrey, comme cette agonie me déchire le cœur. Vous inquiétez peut-être pour rien. Comme je la connais, elle doit avoir décidé de monter à son chalet. Sans laisser un mot? Oh. Non, c'est pas son habitude. Elle a peut-être essayé de vous rejoindre dans la journée. Je suis presque pas sorti. Vous? Elle vous a pas téléphoné? Ben non, on s'est vu hier soir. Elle vous a dit quelque chose de particulier? Non, rien de spécial. Ça lui ressemble de poisson. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, non, pas vraiment. Je vous en pas. Elle doit être en train de lire tranquille à son chalet. Si seulement elle avait le téléphone. J'ai presque le goût d'aller voir. Ce serait peut-être bien de ne pas la déranger. Vous avez raison. Merci, aimé. Excusez-moi encore une fois. Mais voyons, de rien. Bonne soirée, M. Thompson. C'est qui? Benjamin Thompson. Oh, oh qu'elle a un beau petit pyjama. Donne un bisou à mamie avant d'aller dormir. Je vais aller te raconter une belle histoire. T'es une meilleure humeur, à ce que je vois? Oui, mais c'est pas grâce à toi. Je vais aller catiner. Ça va me faire du bien. Ou choisir un beau livre.
Enfin, de v'là, c'est pas trop tôt. Ben, un gars a bien le droit de prendre une bière de temps en temps. Pendant que sa femme se tape toute la job, sa job. Occupe-toi du reste, moi je rentre à la maison. Ça, ça va peut-être te remettre d'aplomb. C'est quoi? Allô, m'a tout dit. T'es bien orgueilleuse. Un cadeau, ça se refuse pas. Même si t'es choquée parce qu'il t'a pas amené à Los Angeles, c'est pas une raison pour le bouder. Petit bébé. Il t'a dit ça. Alain, c'est ton boss après tout. Avec tes petits caprices, il va finir par se tanner. Fais attention à lui. Mêle-toi pas de ça, OK? Je cherche un boss qui rapporte un cadeau à son employé pour se faire pardonner. T'es gâté, Estelle Jalbert. C'est ça. Crois donc ce que tu veux. Hey, qu'est-ce que t'as, toi? T'es plus parlable, toute t'agace. T'es même raide avec les enfants. Mais justement, quand tu l'aurais oublié, là, ils m'attendent pour le souper. Ils m'attendent un peu. On peut jamais se parler. Tu vois pas que je suis fatiguée, là? Une autre fois. Dis toujours ça! Estelle, qu'est-ce qui se passe? J'en ai trop ses épaules. Je cours tout le temps. Je t'avais averti. Je savais que ta job et les enfants, ça serait trop. On reviendra pas là-dessus, hein? Depuis le temps que je connais Aline, tu peux bien y en parler si tu veux. Je suis capable de régler mes affaires toute seule. Tu penses que je m'en rends pas compte, mais je suis pas fou. Tout à peine si on se parle, je veux dire, des vraies affaires. Guy, les enfants m'attendent. On dirait qu'ils m'aiment plus. Bon, je peux même plus te toucher. Guy, arrête ça, s'il te plaît. Tu sais bien. Je suis venu marier une des plus belles filles de la place. M'apprendra. T'as pas le droit de dire ça, voyons. C'est vrai pareil. Ton boss, t'as pas le coup de foudre. Tu m'as jamais aimé autant que moi. Et... tu te fais du mal pour rien, là. Je pensais qu'avec le temps, puis les enfants. Écoute, on parlera de ça une autre fois, OK? T'as pas à t'en faire, là. C'est seulement un peu de fatigue. C'est vrai que t'as fait trop. J'ai pensé à engager Nathalie Rousseau pour m'aider ici. Ce serait peut-être une bonne idée. Je tiens à toi, Estelle. Tu le sais, hein? Estelle? T'oublies ça? J'ai eu beau attendre sa mort avec sérénité, m'y préparer, je ne peux contenir mon désarroi. Adrien! Qu'est-ce que tu fais là? Oh, Dad. Sors d'ici! Dad, je pensais jamais que tu serais capable de faire une chose pareille. Non, pourquoi faire toute une histoire? C'est inacceptable! Des états d'âme de vieille fille. Je sors immédiatement! Puis que je te voulais pas remettre les pieds encore ici. Tu m'as compris? Thank you.
perdu dans tes pensées. Excuse-moi. C'est rien. Tu regrettes déjà notre association? Oh non, je pensais pas du tout à ça. Oh non, fais pas attention. Te souviens-tu dans le temps quand ça a commencé à aller mal entre nous deux? Je te surprenais comme ça dans l'une. Tu me répondais, oh, c'est pas grave, fais pas attention. Rappelle-moi pas cette époque-là, j'étais tellement mêlée. Ton fameux coup de foudre. Une folie qui a pas duré 6 mois. Cognac? Oui, pourquoi pas. Encore une chose. Ok, j'ai compris. Le ponisseur a continué la leçon. Je veux surtout pas qu'Adrienne s'aperçoive que t'as fouillé dans ses affaires. J'ai rangé les livres par ordre d'année. Est-ce que c'était comme ça? Je sais pas trop. J'ai lu le plus récent, là. Puis... Certain? Rien d'autre? J'ai pas eu le temps. Je suis tombé sur les bouts à parler de maman à la fin, là. Puis... Compris? Je veux plus te voir rôder autour de la chambre d'Adrienne. Dans ces nouvelles, il n'aurait pas téléphoné pendant que j'étais parti. Non. Est-ce que tu la vois encore? Fini depuis presque 8 mois. On se reverra jamais. C'est mieux comme ça. C'est un feu de paille, hein? Ça s'est éteint aussi vite que ça a commencé. Ouais. Ça pouvait pas marcher. Sauf s'il avait laissé sa femme. Moi, je le savais qu'il ferait pas. Mais toi, tu l'as fait. Oui. La passion. Tu regrettes-tu d'être parti avec lui? J'avais pas le choix. J'ai trop accroché pour pouvoir résister. Je savais que ça allait pas durer. Pourquoi t'es allé d'abord? J'ai peur que tu le prennes mal. Dis-le. C'est moi qui te demande. Je pense, là, que c'était pour me libérer de toi. J'en avais assez d'être contrôlée. Macho. Tu l'as oublié, ça. Je dis que ça m'a pris du temps à la digérer, ça. C'est vrai, j'étais un petit peu injuste. Marc, des fois, c'était pas tout à fait faux. Ah oui, j'ai tout fait. On s'était perdu de vue, on n'était plus capable de se rejoindre. Je vois pourquoi, là. La famille, le travail, les enfants, l'argent. Et les deux maisons. Le voyage d'affaires. Aux agendas chargés. Oui, les infidélités. Les petites infidélités. Ta jalousie. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Je prenais pour acquis que tu serais toujours là. Sais-tu que c'est la première fois qu'on se parle calmement de notre séparation? J'en ai tellement voulu. Puis moi, non. Et que je t'ai détesté. Je trouve qu'il y a des petits relents, des fois. Ah, oh, ben, je suis bien moins pire qu'avant. Toi aussi, ça fait un bout de chemin. Ouais. Bien obligé, hein? On a vécu là, tellement de choses ensemble. Ah, j'oublie pas, mais... beaucoup à ce que j'ai.
sur mes gardes. Pourquoi? Je ne tiens pas à retourner en arrière, moi non plus, tu le sais. Mais je sens un danger. C'est trop tentant. Ah. Non, ça.